C'est parti. Bonjour à tous, chers abonnés, chers spectateurs francophones. Je m'appelle Jean et vous regardez le Frascar Live, le podcast français sur la NASCAR. Aujourd'hui, j'interview Mario Gosselin, pilote de NASCAR et copropriétaire de l'écurie DGM Racing. Un grand merci, Mario, d'être avec nous aujourd'hui. Comment ça va? Ça va très bien, vous? Enfin, moi, écoute, ça va très bien. C'est un immense honneur de t'avoir parmi nous ce soir. Copropriétaire de la DGM Racing. On va parler ensemble pendant... Tu as combien de temps avec nous environ? On avait dit une heure, c'est bien ça? Ok. Ok. Donc les amis, n'hésitez pas, je le rappelle, à partager vos questions dans le chat en direct, à échanger avec nous et à poser vos questions directement à Mario. C'est fait pour ça. Alors, on a eu quelques petits problèmes techniques sur la mise en place des flux vidéo. Si vous pouvez nous donner un petit retour sur ce que vous avez, si vous me dites que l'image est fluide, c'est que tout va bien. N'hésitez pas surtout. Alors, le menu de cette interview est assez chargé puisque nous allons parler de ta carrière de pilote, notamment Mario, de l'actualité autour de la DGM Racing et enfin du programme de ProLate Model avec l'équipe Rescar Solutions avec Jean-Philippe Bergeron. Tout ceci avant de nous montrer en exclusivité la voiture pour le Daytona 300, la 91 Alpha Prime de la DGM Racing puisque tu fais ton grand retour à Daytona cette année pour une course. C'est bien ça? Oui, j'ai de la misère à t'entendre un petit peu, mais oui. Ah oui, parce que, et pareil, ça ne le faisait pas tout à l'heure, mais ouais, il y a le retour. On entend mon retour. Si tu pouvais avoir des écouteurs, ça, j'y ai pas pensé, tu vois. J'aurais dû te le dire. Parce que du coup, je m'entends, en fait, on entend mon retour. N'hésitez pas à me dire dans le chat en direct si on n'a pas des problèmes de son, s'il vous plaît. Moi, je vais courser l'auto, ça va être le numéro 91 à Daytona. Tout à fait, ouais, c'est ça. Et tu auras donc le numéro 91, Alpha Prime, c'est ça le sponsor? Ouais, c'est AP Sports Regimen. Ok. Ok. Donc, je remercie également FestiDrag pour les photos, pour ceux qui ne connaissent pas. Hein, je vous mets le lien de FestiDrag en description de la vidéo. Vous pouvez retrouver aussi les liens de notre groupe Facebook, le Frascar Ultimate NASCAR Fan. Alors, petite présentation rapide pour ceux qui ne connaissent pas Mario. Tu as été champion en tant que crew chief en NASCAR Pinty Series en 2014 avec l'équipe du Moulin. Tu as couru le Snowball Derby 5 fois avec 2 8e places. C'est bien ça? Oui. Tu as fait le Hooters Tours, donc c'est l'équivalent du Cars Super Late Model actuel. C'est bien ça? Oui. Oui. Tu as couru en late model à Montmagny également, où tu as gagné en 2008, et où notamment tu tombes en panne d'essence à 100 mètres de l'arrivée, enfin à 100 mètres après l'arrivée, excusez-moi. Non, avant l'arrivée. Avant l'arrivée, d'accord. Oh, oui. C'est un peu embêtant, mais tu gagnes quand même, c'est bien. J'ai été chanceux que j'avais un petit lead sur le deuxième. Ok. Tu as couru 2 fois en cup en start and park. C'est bien ça. Et donc, tu nous fais l'honneur d'être officiellement le premier pilote à avoir couru en cup à passer dans notre émission. Donc, merci. Un grand merci. C'est un grand honneur. C'était pour te présenter brièvement. Et je souhaiterais entamer ton interview en parlant de ta période en ARCA. Parce qu'il y a quand même des histoires de dingue que tu as eues en ARCA. Et on va parler de ça tout de suite. Bobby et les amis dans le chat en direct, n'hésitez pas à me dire au niveau du son ce que vous recevez, si c'est bien net, s'il vous plaît. Parce que moi, sur la sortie audio, j'ai des retours. Voilà, et si c'est nécessaire, on fera une petite pause pour régler ça. Alors, période ARCA, tu as quand même 3 victoires en ARCA. Hein. Faut le rappeler, c'est quand même pas mal. Tu as commencé l'ARCA donc, en 99, à 27 ans, c'est bien ça? Oui, la première course d'ARCA, j'ai qualifié premier, puis j'ai gagné la course. C'est ça. Matt Guéo McDo qui nous dit « Pour l'instant, tout va bien. » Ok, bah si vous n'avez pas d'ennui de son, on continue comme ça. Si vous entendez Mario normalement, moi, ça me convient. C'est juste que moi, j'aurai un petit retour, un petit peu de basse qualité. Mais si pour vous, c'est bon, on continue. Alors, effectivement, tu pars en pole position, c'est bien ça, et tu gagnes la course, la toute première course. C'est quand même fort, ça. C'est quand même extraordinaire. Et lors de ta deuxième course, tu pars en pôle également à Charlotte.
Et tu cours contre un certain Kevin Harvick, qui finit deuxième de l'épreuve. Et tu vois, tu finis à une excellente troisième place. Raconte-nous un peu ton arrivée en Arca et la forte impression du coup que tu as fait à l'époque. Bien, j'avais le désir de courser sur des tracks, sur des plus grandes tracks. J'avais gagné des championnats en late model puis en Pro Cup sur des tracks 1 mile et plus petits, disons Milwaukee Mile et plus petits. Mm-hmm. Et j'avais le désir de courser sur des tracks 1 mile et demi et plus grandes avec plus de vitesse. So, je me suis préparé une voiture pour aller à Charlotte en Arca. Et j'espérais bien le faire. Dans l'époque, il y avait deux rounds de qualification. La première ronde, c'était les premiers 20. La deuxième ronde, c'était 20. Je ne me rappelle pas combien de voitures. Je pense qu'en partait 40, c'était de 20 à 40. On était au-dessus de 40 voitures. Puis j'espérais juste faire la première ronde pour être capable de travailler sur mes ajustements pour la course à la place de me casser la tête pour me qualifier pour la course. Ouais. Et puis, finalement, j'ai qualifié sur la pole. D'accord. La deuxième course également, j'avais qualifié sur la pole. La fameuse course que Kevin était à la même course que moi. Kevin, il conduisait pour RCR, Richard Childress Racing. Puis, je pense qu'il avait qualifié assez loin. Puis, à peu de tôt de la fin, il y avait eu un drapeau jaune. Avec une grande, grande pause, puis il y avait beaucoup de litter dry pour assécher la piste dans le 1 puis le 2. Mm-hmm. Puis sur le restart, Kevin il m'a passé. J'ai été un petit peu trop prudent dans cette section-là. Puis Kevin, il m'a passé, je pense, à 2 ou 3 tours de la fin. Lui, il a fini deuxième. Moi, j'ai fini troisième. D'accord. Kevin Harvick, je le précise pour les fans, il a fait 2 courses uniquement dans sa vie en Arca National. Et donc, sur l'une des 2 courses, tu as été là, quoi, quand même. qu'est-ce que tu penses? Rien à voir, mais qu'est-ce que tu penses de Kevin Harvick et de sa carrière? Est-ce qu'à l'époque, on pensait que ça allait devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui? Ah, ben regarde, c'est toujours dur à dire. C'est sûr que... Il y avait déjà un volant avec Richard Childress Racing, puis j'avais une bonne idée que sa carrière était pour accélérer assez vite. Et puis, c'est justement l'année que Dale Earnhardt est décédé. Qu'est-ce qu'il a réellement accéléré sa carrière? Effectivement. Et tu n'as pas eu l'opportunité de continuer dans des grosses équipes en série supérieure, parce qu'on voit que tu as ensuite fait l'Xfinity, donc la Busch Series de l'époque. Mais tu as fait avec ta propre écurie, tu avais déjà monté ta propre équipe à l'époque, c'est bien ça? Oui, oui. Moi, j'étais pas dans le bon timing. Quand j'avais 17-18 ans, les propriétaires, ils voulaient avoir des chauffeurs avec de l'expérience, des chauffeurs de 25-30 ans qui avaient de l'expérience. Puis quand je suis venu à 25-30 ans, ben, il y avait mieux avoir des pilotes plus jeunes de 17-18 ans. D'accord. D'accord. Alors, sur les autres, tu as eu plein de participations en Arca. Franchement, si on faisait toute ta carrière, si on refaisait tout, ça nous prendrait des heures tellement Mais j'ai quand même vu quand même 2-3 trucs sympas. Donc, tu as eu cette histoire en 99 avec Kevin Harvick. Donc, ça, c'était déjà extraordinaire. En 2003, en Arca, tu fais 4 courses en tant que propriétaire et pilote. Donc, les deux à la fois. Et tu remportes la course de Nashville. Tu bats notamment, j'espère que vous êtes bien assis, chers spectateurs, Clint Bowyer. Tu as couru contre Clint Bowyer et tu gagnes la course et tu le bats. C'est pareil, oui. Lui, à l'époque, c'était un gros potentiel à l'époque, lui aussi? Non, pas vraiment. Je vais te dire, Clint, c'était dans ses premières courses. Je pense que c'était sa première course en Arca. D'accord. Moi, j'ai battu Clint, j'ai fini premier. Et puis, la semaine d'après, Clint, Richard Childress, il a appelé Clint pour lui donner une ride en Cup ou en Xfinity, peut-être dans le temps, en Busch. Je me suis toujours demandé pourquoi lui, je l'ai battu même. Mais ça, je pense que c'était plus une histoire d'âge. Plus une histoire d'âge, oui, effectivement, parce que, comme je l'ai dit, en 99 déjà, tu avais 27 ans en Arca. Mais tu étais excellent, quoi. Et en fait, ça, c'est dû... on va en parler un petit peu après, mais c'est dû à ta période en... C'était quoi? C'était comme série? C'était la X1R, si je ne me trompe pas, à l'époque. C'est bien ça? Tu avais fait du late model. Tu avais fait beaucoup de late model et tu avais gagné beaucoup, beaucoup de courses.
à l'époque et c'était franchement assez impressionnant. Vous pouvez voir tout ça. Voici, c'était le X1R Pro Cup. C'est bien ça? Oui. C'était 19 victoires en 7 années de participation de 97 à 2003 et t'as fait 5 années full time. Quand même assez impressionnant. Et en fait, cette série-là, c'est l'ancien Cars. C'est le Cars Tour Late Model, Super Late Model. À l'époque, c'était du Super Late ou c'était du Late Model normal? 95, de 1995 à 1997, c'était du Super Late. 97, 98, 99, c'était plus comme des autos Bush, des autos avec, plus pesantes avec des bodies en tôle. D'accord. D'accord. Est-ce que c'était un peu comme le NASCAR West de l'époque? Oui, semblable. C'est très, très semblable. Des tracks, plus de short track, mais des autos plus comme NASCAR West ou K&N, comme on dit. Là. Puis, C'est ça. Ouais. Parce que moi, j'ai une voiture de Kevin Harvick de 98 ou 99 dans la vitrine, qui est une NASCAR West, à l'époque où il était sponsorisé par Spurs. Et ouais, ça ressemble un peu à ça. Ouais, c'est ça. C'était le K&N de l'époque. Ok, dans les autres anecdotes de l'Arca que tu as, en 2006, par exemple, alors en 2003, donc tu bats Clint Bowyer, toujours tu finis 14e et à un moment donné en 2003, tu finis 14e, excusez-moi, notamment devant un certain Kyle Busch aussi, qui était engagé pour la Hendrick Motorsports à l'époque. C'est quand même incroyable qu'aucune équipe ne t'ait appelé pour faire quelque chose. Non, mais j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt, beaucoup de téléphones, mais jamais rien qui a matérialisé. Je peux dire que je ne me rappelle pas exactement l'année. On avait fait un test d'ARCA à Charlotte Motor Speedway. Justement, Kyle Busch, il était dans le même test. Et puis, ouais. À la fin du test, c'était Mario Gosselin qui était le plus vite au test et Kyle Busch qui était deuxième dans l'équipement à Hendrick Motorsport. D'accord. Alors, tac, tac, tac. En 2006, par la suite, j'aborde ta période Arca, hein, je suis désolé, hein, vous pouvez regarder tes statistiques sur l'Arca à Mario, c'est extraordinaire. Tu es toujours propriétaire et pilote, tu gagnes à nouveau à Nashville, comme quoi tu dois bien aimer cette piste. Oui, oui. Tu finis devant un certain Justin Allgaier, hein, c'est toujours pareil, et c'est des gars qu'on peut retrouver dans les plus hautes divisions aujourd'hui. Pourquoi cette piste, tu es si à l'aise à Nashville? J'ai toujours aimé cette piste. C'est 1,3 mille high bank. La piste est en ciment et non en asphalte. Et puis, depuis la première journée que je suis allé sur cette piste, j'ai adapté très vite. J'ai toujours eu de la vitesse et ça a tombé ma piste favorite assez vite. Et c'est pareil, tu as fait une excellente deuxième place à Pocono, tu es allé plein de fois à Pocono. Pourquoi tu t'es engagé plein de fois sur cette piste-là? Parce que des fois, tu faisais, je crois, une seule ou deux participations en un an et tu venais juste à Pocono. J'ai toujours aimé Pocono, j'ai eu du succès. Je peux dire que j'ai leadé beaucoup de tours à Pocono. J'avais dans le temps, je m'essaie de me rappeler de son nom, là, mais j'avais qualifié deuxième à une équipe de COP avec Chip Ganassi, qui était sur la pole. Moi, j'étais deuxième et j'ai pris le lead. J'ai leadé beaucoup de tours. J'avais fini deuxième. Toujours aimé Pocono. C'est juste une place que j'ai toujours adoré à aller et que j'aime bien à conduire cette track. OK. Alors, je vais montrer une petite photo à nos chers auditeurs sur l'Arca 2009 à Daytona. Alors, je vais vous montrer. Cette voiture-là, numéro 12, tu as toujours été numéro 12 et toujours orange et bleu. Pourquoi ce choix-là? J'aimais bien les couleurs. Ça sort très bien sur la track. C'était une des paint schemes qui était ma favorite. Et je l'ai coursé plusieurs fois en Arca. Sûrement. D'accord. Et tu l'utilises encore aujourd'hui. Hein, on peut voir sur notamment, je vais vous montrer le Super Late Model que vous avez testé avec Jean-Philippe Bergeron, le numéro 12 toujours. Donc ça, c'est un Super Late. Hein, on est d'accord? Oui, un Super Late, justement, juste la fin de semaine passée. Mm-hmm.
C'était des tests parce qu'il ne court pas en Super Late, Jean-Philippe, il court en Pro Late. Très bientôt, je vais rappeler les dates, c'est à New Smyrna. Au New Smyrna Speedway, je rappelle, hein, c'est les... merci Festidrag de nous avoir autorisé à prendre ces photos-là. Et franchement, ouais. Et donc ça n'a pas changé, toujours numéro 12. C'était un peu aussi comme avec Michel Didier. Il avait fait ses premiers tests en arca avec toi aussi au bord de la numéro 12. Oui, au Michigan. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir des tests avec Michel? On s'était bien amusé. Je pense qu'il avait gagné beaucoup d'expérience cette journée. Et je pense que ça l'a aidé à son progrès, à revenir. Il a fait quelques courses en Craftsman Truck dans le temps, que je suis au courant. Ouais. Je sais qu'une course à Daytona, puis il avait très bien fini. Super, super bon individuel. D'accord. Est-ce que tu as des anecdotes à nous donner sur ta période en arca qui a été quand même assez riche en très bons résultats que tu pourrais nous raconter? Ah oui, il y en a probablement plusieurs. Mon matériel n'est pas prêt, mais regarde, plusieurs courses que j'ai faites, je te dirais Atlanta, Charlotte, Pocono, là. Bien du fun dans cette série-là, c'est sûr. D'accord. Et donc, en tant que propriétaire, j'ai fait mon petit calcul quand même, tu as été engagé une voiture quand même 493 fois. Si tu prends une voiture par piste, 493 fois, tu as été engagé en NASCAR. Mais au final, tu préfères être propriétaire ou pilote ou les deux? Moi, j'ai toujours... j'ai fait quelques courses pour d'autres... pour d'autres équipes, mais j'ai toujours été un pilote qui était hands-on depuis le début de ma carrière. J'ai toujours construit mes propres voitures en late model, en super late model. J'aime très bien le défi de préparer des voitures, essayer de préparer une voiture puissante. Et j'ai toujours aimé à faire mes propres affaires. Regarde, comme on disait tout à l'heure, mon timing n'était pas bon. Pour chauffer pour d'autres équipes, des grandes équipes. Je n'étais pas un genre individuel à m'asseoir sur le divan chez nous et pas faire partie des courses. Je me prépare une voiture puis je m'en vais aux courses. OK. Et donc, tu fais... c'est quand même passionnant hein, parce que effectivement tu conçois tout, tu as tout conçu. Quand on regarde toutes tes participations, on voit que c'était toi qui amenais ta propre voiture. C'est quand même assez impressionnant. Et tu faisais quand même des super résultats, quoi. C'est effarant, quoi. T'avais un super potentiel. Et tu vas le remontrer par la suite, hein, tu vas le remonter par la suite. Alors, pour conclure la partie arca, parce que si on fait tout, on n'aura pas fini. Il est déjà 22h, on devait commencer à 21h30 quand même. En 2014, donc, tu fais ta dernière participation en arca à Daytona. Tu cours contre un certain Chase Elliott, qui est aujourd'hui champion de la NASCAR. Tyler Reddick, Grant Enfinger, qui était le vainqueur de l'époque. Est-ce que tu as des anecdotes sur ta dernière participation en arca ou pas du tout? Non, pas vraiment. pas plus que ça. Ouais, pas plus que ça. C'était une course comme les autres. Au final, tu as fait tellement de courses, mais c'est assez abusé, quoi. Alors, je voulais parler aussi de ta période, donc de 97 à 2003, la période Super Late Model, Late Model, tout ça. Tu as participé aussi 5 fois au Snowball Derby et tu as fini 2 fois 8e, c'est bien ça? La première fois que j'ai participé en 1993, j'ai fini 6e. J'avais qualifié 3e, fini 6e. Après ça, là, ouais, probablement une couple de fois 8e, puis beaucoup de DNF. Ouais. Malheureusement. Là aussi, tu prépares tes propres voitures. Là aussi, tu préparais tes propres voitures. Oui, toujours. Toujours. Extraordinaire. Et comment se parce que nous, on adore suivre le Snowball Derby sur notre groupe Facebook. Comment se caractérise cette piste de Five Flag Speedway? C'est quoi sa caractéristique? C'est quoi le truc pour être rapide sur cette piste?
Ah, ben regarde, c'est beaucoup de seat time, et puis préparer des bonnes voitures, essayer de trouver le maximum du réglage pour que la voiture elle se comporte bien et aussi être super confortable, avoir beaucoup de confiance dans la voiture, être capable de pousser la voiture au maximum. D'accord. Ok. Quand même, tu envisages un jour de revenir au Snowball Derby ou dans une course de Super Late, toi-même en tant que pilote? Ouais, je te dirais que le Snowball Derby, c'est beaucoup de préparation. C'est une affaire quasiment d'un mois. Juste la préparation pour aller au snowball puis avoir du succès, il faut réellement faire beaucoup de tours d'un super late modèle. Puis il faut quasiment aller faire une ou deux courses durant l'été à Pensacola, juste pour s'ajuster à la track, être confortable avec la track. Puis après ça, ben, le Snowboard Derby lui-même, c'est une semaine. Du temps que tu pars, du temps que tu reviens à shop, tu es parti une semaine de temps. C'est C'est vrai. pas. Le fait de partir, de faire participer dans la course, oui, mais tout ce qui va avec, en étant propriétaire puis constructeur d'auto, puis tout ce qui va avec, je vais dire que ça me manque pas plus que ça. D'accord, ouais, c'est beaucoup de travail autour, au final, beaucoup de préparation pour avoir un résultat correct au final. C'est même pas. Oui. En plus, il faut penser à se qualifier. Beaucoup de pratique, beaucoup de pneus, beaucoup d'argent. Sur ça le problème. Hein. Et je pense que c'est aussi ça le problème que tu as eu quand tu étais jeune, que tu es arrivé sur la trentaine et qu'au final, tu n'as pas eu d'opportunité. Il te manquait des fonds aussi, peut-être des commanditaires pour concrétiser, par exemple, chez une grosse équipe de Busch Series ou. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont au snowball, qui ont des super gros budgets. Ça coûte quasiment le même prix qu'à faire une course d'Xfinity, Snowball Derby, juste parce que c'est une semaine de temps, puis c'est beaucoup de. Ça tire beaucoup de jus. Ok. Alors ensuite, sur ta carrière, tu as fait de l'arca, tu as fait comme on l'a dit, c'était du. Alors que je ne me parle pas dans les petites notes. Tu as fait du X1R Pro Cup, donc c'est l'ancien Cars Tour, Late Model, Super Late Model. Tu as fait de la Truck Series aussi. Tu as engagé aussi ta propre camionnette. À chaque fois, tu engages ta propre voiture. C'est formidable. C'était la numéro. Alors, je vais reparler d'une année en particulier, c'était 2010. Et notamment, j'avais cette photo-là à vous montrer. Ça, c'est une Hero Card de Mario, donc avec le truck numéro 12, sponsorisé par mytiremonkey.com. Donc, tu as été engagé full-time en 2010, si je ne me trompe pas, et ton meilleur résultat, ça a été à Martinsville, où tu fais une excellente 9e place. Ce qu'il faut retenir quand même de cette participation, quand même, dans le lot, il y avait quand même ce jour-là, s'il vous plaît, Kevin Harvick qui gagne l'épreuve, Harry Calmirola, Matt Crafton qui a la Tor Sports Racing maintenant en Truck Series. Il y avait Max Papis aussi, l'Italien qui a été engagé à la German Racing, pilote de kart, IndyCar, NASCAR, etc. Endurance aussi. Tu finis devant un certain Austin Dillon. Johnny Sauter qui est toujours là d'ailleurs, DJ Kennington, Canadien. Donc tu finis 9e avec ta propre voiture à Martinsville, c'est quand même fou, c'est quand même une énorme performance parce que Martinsville, il faut avoir une bonne bagnole quand même. Oui, Martinsville, c'est un circuit qui est assez dur, dur sur la voiture, dur sur le chauffeur. Je peux te dire que je pense que c'est la 2010 ou 2009. Je pense que c'est 2010. J'avais fini 6e à Talladega. Et je pense que c'est mon meilleur fini en Camping World Truck. Ouais, et je vous remets la photo, les amis. Ce truck Silverado jaune. Il avait de la gueule quand même. Hein. Comment les pilotes, comme par exemple Kevin Harvick, tous ces mecs-là qui sont archi connus, comment ils appréhendent Mario Gosselin? Est-ce qu'ils se disent c'est un Ryan Newman? Est-ce que tu as une réputation? Le Super Mario, est-ce que tu as une réputation de quelqu'un qui pousse, par exemple ou... Je pense qu'il y a beaucoup de
beaucoup de gens qui me respectent pour ma carrière, qu'est-ce que j'ai fait, surtout en étant propriétaire et pilote, et aussi pour la simple raison que je travaille fort sur mon équipement moi-même. Beaucoup des pilotes aujourd'hui, ils ne touchent pas à la voiture, ils ne font rien sans la voiture, ils ne connaissent pas exactement qu'est-ce que ça prend mécaniquement pour assembler une voiture. Moi, je peux te dire que je peux prendre une voiture, je peux commencer avec un bare frame, puis monter la voiture jusqu'à temps qu'elle est prête à aller à la piste de course. Peinture, assemblage, engin, tout d'un bout à l'autre, je peux tout te dire qu'est-ce que chaque morceau fait, où est-ce qu'il va. Puis je l'ai fait, on dirait, comme plus beaucoup de chauffeurs aujourd'hui font. Bah, bien sûr, et ça force le respect. Ça force le respect parce que si vous regardez, je rappelle, hein, je me répète, mais si vous regardez les stats de Mario, systématiquement, vous voyez dans les stats que c'est tu engages une voiture, tu engages ta voiture, tu engages ta voiture, tu es propriétaire, tu pilotes, tu es propriétaire, tu pilotes, tout le temps, tout le temps. Et personnellement, je crois que tu es le seul pilote où j'ai vu des stats comme ça, quoi. Où tu engages ta propre voiture et tu es en même temps en capacité de gagner la course, quoi. Sur plusieurs courses, tu l'as fait, quoi. Et c'est franchement extraordinaire et t'es une légende. Franchement, ça porte respect et j'aurais aimé te voir dans une grosse équipe juste pour voir ce que ça aurait donné. Hein. Mais je suis sûr que ça aurait donné un truc de fou. Parce qu'on parlait de Martinsville, est-ce que tu peux nous donner dans les grandes lignes, j'avais déjà interviewé Raphaël Lessard là-dessus, comment se pilote une voiture à Martinsville et est-ce qu'au passage, tu as une anecdote sur cette période de Truck Series? J'ai mal compris ta dernière question au sujet de Martinsville, excuse. Comment se pilote une voiture à Martinsville dans les grandes lignes? Ah, mais c'est... Le freinage, il est super technique. Je pense que une des parties la plus importante à Martinsville, réellement, c'est d'avoir un bon rythme, puis être capable de freiner à la bonne place, le bon montant de freinage pour être capable de placer ta voiture à la bonne place dans les détours. Si tu manques ta ligne de 6 pouces en rentrant, ben, dans le milieu du coin, tu vas la manquer d'une demi-largeur du camion au complet. Là. C'est réellement, réellement technique, l'entrée, le freinage, l'entrée pour te placer pour la sortie, avoir une bonne sortie. Tu réaccélères tôt à Martinsville ou c'est plutôt tardif parce que sinon tu glisses? Excuse? À Martinsville, quand tu sors du virage, est-ce que tu réaccélères tôt ou plutôt tardivement pour éviter de glisser? Oh, plus que tu peux accélérer tôt sans accélérer trop tôt, il faut réellement que tu accélères à la bonne place dans l'apex du coin parce que si tu accélères trop tôt, tu trouves à avoir une condition qu'on appelle push ou understeer. Mais si tu veux réellement garder ton momentum dans le coin, puis être capable d'accélérer fort et le plus tôt possible. D'accord, bah, j'espère que tes conseils, mais tu as fait tellement de pistes, et on va parler du programme de Leitmodel avec Jean-Philippe Bergeron. Pourquoi je fais le lien avec ça? Parce que quand toi-même, tu étais en Leitmodel, tu as toutes ces expériences-là de pilotage, etc. Et je trouve que pour coacher des jeunes, tu es effectivement quelqu'un qui est vachement bien placé pour parler. Et on va y venir sur la période pro Leitmodel. Bon, on va y venir tout de suite hein, sur le programme Leitmodel de Jean-Philippe Bergeron. Tu le coaches, du coup, c'est bien ça? Oui. Quand Jean-Philippe a fait la course de pro Leit à New Smyrna, je suis allé pour coacher Jean-Philippe, aider Jean-Philippe, essayer de donner le point de vue d'un pilote expérimenté, juste pour le conforter, pour. Des fois, comme pilote, tu as tendance à avoir certains feelings, certaines idées, et c'est bien important d'avoir quelqu'un que tu fais confiance, juste partager qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que la voiture a fait, juste pour réassurer qu'est-ce que tu penses, que c'est réellement qu'est-ce que tu devrais penser. Et Jean-Philippe, je te dis qu'il est un talent naturel, il est super bon. Et raison pourquoi que quand j'ai vu comment il a performé dans la course de pro, je voulais lui donner l'expérience d'être capable de pratiquer dans un super pour réellement donner plus de confiance, donner plus d'expérience à cette track pour essayer d'aider ses résultats dans ses courses qui vont venir prochainement.
Tout à fait. Et en plus, tu as déjà, je pense à plusieurs reprises, parcouru en tant que pilote la piste de New Smyrna. Donc, tu connais déjà la piste, la track. Est-ce que lui, il l'a déjà fait? À part la récente participation qu'il a fait, il ne l'avait jamais fait avant. Non, je pense que c'était sa première fois qu'il voyait la piste, justement, le soir avant sa course de pro. Comme beaucoup d'autres pilotes d'aujourd'hui, il a pratiqué sur iRacing. Il l'a vu sur iRacing, mais en fait, physiquement embarqué sur la piste, les premiers tours, ils ont été le soir avant sa course à New Smyrna. Tout à fait. Alors, je vous montre à nos auditeurs, donc Jean-Philippe Bergeron qui est à gauche, à côté de toi, sur le toit de la numéro 12. Donc ça, c'est le Super Late Model, puisque Jean-Philippe Bergeron ne participera pas en Super Late Model. Hein, c'était juste un test sur ces photos-là. Mais il ira dans le Pro Late Model numéro 51. Alors que je ne me trompe pas de photo. Voilà, je me trompe de photo, c'est formidable. Voilà, celui-là. Merci encore plus, Cédric, pour les photos. Donc c'est ce ProLate modèle-là de la RCS l'équipe RCS qui va participer à New Smyrna le 4 au 13 février prochain. Il ne disputera pas moins de 8 courses en 10 jours et nous allons suivre ça de près. Pour information, il prendra ensuite part au championnat de Late Model Series de l'Autodrome Chaudière le 15 mai et de Montmagny le 22 mai. Pour ces deux championnats, Jean-Philippe Bergeron visera le titre grâce à l'expérience qu'il aura engrangée aux USA. Penses-tu qu'il ira chercher le titre au Québec? Tu m'entends, Mario? Oui, je t'entends. J'ai perdu un petit bout. Jean-Philippe, il va courser dans le 51 à New Smyrna. Après ça, il va courser à Montmagny au Québec. J'ai perdu un petit bout. C'est ça. Après, est-ce que tu penses qu'il va pouvoir avoir le titre à Montmagny et à l'Autodrome Chaudière? Ah, ben regarde, il a fini sa saison très fort. Et puis, c'est sûr qu'il est en super préparation, envisage de gagner ce titre. Et aussi, je pense que toute l'expérience qu'il va prendre à New Smyrna cet hiver, certainement, ça va y aider à le mettre plus confortable. C'est gagner l'expérience. Un jeune pilote qui a besoin d'être dans le siège le plus possible. Et Jean-Philippe, il a l'occasion d'être dans le siège beaucoup plus que ses compétiteurs. Je pense que ça va lui donner un bon boost pour être capable de gagner ce titre. Mais regarde, c'est des courses, on ne sait jamais. Oui, non, mais c'est ça. Tu penses qu'il ira en Super Late Model, un de ces quatre? On le verra, par exemple, dans le Cars Super Late Model Tour ou dans le Southwest avec le Spurs Late Model Tour, Super Late Model Tour. Tu penses qu'on le verra là-bas? Je pense que c'est sûr que dans le proche futur, vous allez le voir dans du Super Late Model, oui, et probablement d'autres options, d'autres occasions là, que je sais que Jean-Philippe y envisage, il regarde et peut-être qu'il aimerait peut-être participer à quelques courses Pinties ou Super Late Model ou peut-être même ARCA. Là, on est après regarder plusieurs options et puis à suivre. Mais je peux dire qu'il apprend très vite et puis il a le talent, il est capable de le faire. Bah, c'est formidable. C'est vrai que Jean-Philippe, je lui ai parlé, il est vachement accessible et très sympa. Peut-être qu'un jour, ça fera l'objet d'une interview, mais effectivement, je lui souhaite le meilleur. Mais d'où est née cette collaboration? Comment tu es tombé sur Jean-Philippe Bergeron? C'était en le regardant courir? Tu avais d'autres choix de pilotes en option ou il n'y avait que Jean-Philippe qui s'est présenté à vous? Ah, ben, il y a toujours plusieurs choix, mais c'est... Réellement, c'est Festi Drag, c'est Prolong Control, la connexion s'est faite de cette manière-là. Et puis, je me suis mis à suivre la carrière à Jean-Philippe. Et puis, il allait très bien, il a gagné des courses à la fin de la saison l'année passée. Plus que je le regardais, plus qu'il m'intéressait. Et puis... ça l'intéressait de venir faire des tours à New Smyrna. On s'est mis en contact. On a trouvé justement la voiture 51 qui pouvait participer dans telle course. Et puis, il m'a impressionné bien gros dans sa course. Il a fait une très belle job. Et puis, ça évolue à partir de ce niveau-là. OK.
Et effectivement, dans une interview, Jean-Philippe disait que les late models, les pro late models américains sont bien différents des late models ACT québécois. Est-ce que tu peux nous expliquer à nos spectateurs ou ceux qui regarderont en replay cette émission la différence entre un late model de base, un pro late model et un super late model? Ouais. Un late model ACT, classe ACT, c'est plus un engin comme un engin crate qu'on appelle, c'est un engin qui est fait de Chevrolet qui reste plus ou moins stock, on dit stock pour les courses là. Mm-hmm. Mais aussi les freins, c'est des freins avec un piston, petit frein avec des pneus de 8 pouces de ouais. large. Tu tombes en pro late. L'engin a plus de force, meilleur frein avec des pneus de 10 pouces de large, beaucoup plus de grip, beaucoup plus de puissance. Qu'est-ce qui fait une bonne différence? Et après ça, ben là, tu montes super late, ben, c'est un autre, je te dirais, 125-150 forces de plus qu'un pro. Super grosse différence si tu compares un ACT du Québec avec un super late comme on a pratiqué à New Smyrna. Très, très, très grosse différence. Du coup, Jean-Philippe, il n'a pas été surpris? Il ne s'est pas laissé surprendre par la voiture? Non, il était super bien préparé. Il avait fait ses devoirs. Il était super bien préparé. Puis je te dirais que 6-7e tour sur la piste dans le Super Late, il était up to speed, il allait bien. Et puis, même, on a séparé la voiture. J'ai fait des tours. Jean-Philippe a fait des tours. Et puis, il a fait des temps super bons. Je peux dire même qu'il était plus vite. Il était plus vite que moi. J'ai fait un 17,73. Puis Jean-Philippe a fait un 17,71 son meilleur temps. Bah, bravo. Bravo. Il a battu quelqu'un qui a failli battre Kevin Harvick. Hey. Formidable. T'as battu Clint Boyer. Donc il a battu quelqu'un qui a déjà battu Clint Boyer dans sa vie, quoi. Tu vois. C'est extraordinaire. On va parler de l'actualité des GM Racing. Il y a beaucoup d'actualités qui sont tombées. Il y a Alex Labbé, bien sûr, qui retourne au volant de sa numéro 36 DGM Racing pour une moitié de saison seulement. Il fera son retour sur notamment des circuits routiers où il est très très fort. Je rappelle que l'année dernière, il a enregistré le seul top 5 de l'équipe DGM Racing en compétition nationale. C'était au Roval, lors d'une magnifique course. Est-ce que tu peux nous dire s'il est en bonne voie pour obtenir une saison complète pour 2021? Je pense que ça se développe super bien. Justement, on est comme aujourd'hui, une grosse journée dans le développement au niveau des commanditaires, travailler sur les programmes d'engins pour la voiture. Et je peux te dire que ça l'annonce très bien qu'Alex il va être capable de faire une saison complète. On a encore certaines courses à vendre, mais oui. ça se déroule bien. Puis je te dirais que, regarde, l'année passée, on est venu à bout faire une saison pleine, puis je peux te dire qu'au point où est-ce qu'on est là, l'année passée, ça ne regardait pas comme ça regarde cette année, ça fait que je suis pas mal, je suis super confiant qu'on va être capable de ramasser les fonds nécessaires pour être capable de sécuriser la ride pour la saison complète, mais il y a quand même encore de l'ouvrage à faire, mais on est 75%, on est là. Alors, je rappelle à nos spectateurs que vous pouvez poser des questions dans le chat en direct à Mario. Il y a Bobby qui te demande, est-ce que vous avez des locations de dispo en DGM dans la 90 en 2021? On a quelques locations de disponibles, mais je vais dire que l'horaire s'emplit vite. On attend des commitments de quelques chauffeurs qu'on a parlé avec, qu'on travaille avec. Et puis, il y a quelques courses qui sont disponibles, mais ça se remplit vite. D'accord. Je rappelle que Josh Williams, lui, retourne à temps complet dans la 92. C'est bien ça? 92. Pas de changement. Il y a César Baccarella qui retourne dans la 91 pour quelques courses. C'est ça? Il fait combien de courses, César? César, il va être dans la 90. Et d'accord. Dans le moment, on envisage, je te dirais, de 6 à 12 courses pour César. L'horaire est quand même encore, c'est pas 100% sécurisé, mais je te dirais que César, il va faire certainement,
certainement toutes les courses Super Speedway, Daytona, Talladega, les quatre courses. Il y a deux Daytona, deux Talladega. Il va aussi faire des courses en circuit routier. Pas sûr encore s'il va faire la deuxième Daytona, justement. On est après négocier, on est en négociation aujourd'hui à ce propos-là, mais je peux t'assurer qu'il va faire Coda et Road America, les courses qu'on a des pratiques et des qualifs. César, il va être présent dans l'auto 90. Et puis, on est dans plus ou moins à 100% dans le milieu de tout céduler notre horaire pour finaliser tous nos plans. OK. Il y a Bobby qui pose une question sur les moteurs, mais j'avais déjà prévu la question, Bobby. Hein. t'inquiète pas, je vais y venir. Par exemple, est-ce qu'il n'y aurait pas des volants pour Donald Tick, Michel Didier, Luigi McLeod, Preston Pardus? Alors, demande-moi la question. Est-ce que, par exemple, Donald Tick ou Michel Didier, BG McLeod, Preston Pardus, on pourrait les revoir cette année avec la DGM Racing? Preston Pardus, pour sûr, on a déjà toutes les courses road course. On a probablement, je te dirais, de 3 à 6 autres courses en ovale. Preston, il va faire ses débuts de course ovale cette saison bord d'une voiture DGM. Et puis, je n'ai pas parlé à Michel ou Donald, mais c'est des choses qui pourraient être possibles. OK, ça s'en va. Est-ce que tu penses que un petit jeune qui s'appelle Charles Lacquart, tu connais Charles Lacquart ou pas, le pilote français? Oui. Tu penses qu'il pourrait faire un petit tour à la DGM Racing un jour? C'est toujours possible. C'est toujours possible, tout est possible de toute façon. Alors, la question plutôt technique cette fois, c'est est-ce que vous allez nouer des partenariats avec des grosses équipes pour des moteurs, comme vous l'aviez fait l'an dernier avec les moteurs ECR de la Richard Childress Racing pour l'épreuve de Pocono? Est-ce que ces partenariats vont être renouvelés pour l'année prochaine? On est en pleine négociation à ce sujet-là. On a augmenté beaucoup la performance de les engins Fisher qu'on a, à base. Notre programme est basé surtout sur les engins Fisher. On a fait beaucoup de gains. Les engins sont beaucoup plus puissants cette année que l'année passée. Et on est justement, en dedans d'une journée ou deux, d'être capable de signer une négociation avec ECR pour avoir des engins pour la saison qui serait partagée entre trois ou quatre différents pilotes. Qu'est-ce que Alex et Josh et César partageraient un engin ECR? On aurait un engin minimum pour les 33 courses. Effectivement, et c'est bien que vous évoluez et on devrait voir du coup une évolution des performances vers le haut. Et ça va être vachement intéressant si vous avez du matériel Richard Childress Racing de voir Alex Labbé performer là-dedans. Et je rappelle, parce qu'effectivement, ça pose des questions dans le chat, au niveau de ta prestation, parce que du coup, vous engagez 4 voitures pour Daytona. Est-ce que Mario, Super Mario, va faire d'autres apparitions cette année? Oui, ben j'ai une course de cédulé, justement, ça va être Daytona, dans la voiture numéro 91. Je peux vous dire que je vais avoir un engin ECR. On va avoir 4 voitures. On va avoir 4 engins ECR, 3 engins qui vont être des engins loués et un engin qui nous appartient pour la première course à Daytona. Ça, c'est, je peux te confirmer ça. OK. Est-ce que tu vas faire d'autres courses que Daytona, toi, personnellement? Non, j'envisage pas d'autres. Je te dirais peut-être que je considérais faire la course à Nashville, juste parce que c'est une de mes pistes favorites. Mais dans ce moment, j'ai aucun plan pour faire d'autres courses moi-même dans le siège. Après Daytona, je vire ma calotte de bord, puis je tombe crew chief plein temps pour Alex dans le 36. Effectivement, tu es crew chief, on le rappelle, pour Alex Labbé. Très bon crew chief. Hein. Quand tu as couru contre Kevin Harvick, je peux te dire que tu as un bon crew chief, à mon avis. Hein. Alors, je regarde un peu les questions. OK. Alors, je voulais parler d'un autre truc. Lors de l'interview de Nathalie Bigeaud que j'avais faite, on parlait des investissements des équipes en termes de matériel. Elle nous a annoncé notamment que la BG McLeod aurait des pneus neufs à chaque début de course à présent.
Est-ce que la DGM Racing a toujours des pneus neufs pour ses, tous ses engins à chaque début de course? Mais je te dirais que depuis que la COVID est commencé, on n'a pas beaucoup de choix parce qu'il n'y a, a pas réellement de pratique. On n'a pas la chance d'acheter des pneus qui ont un ou deux ou cinq tours. C'est réellement, je te dirais que la plupart de la saison, l'année passée, on avait toujours des pneus neufs. Et je peux te dire que ça s'enligne beaucoup pour être pareil cette année. À l'exception de quelques courses qu'on a des pratiques, qu'on peut acheter des pneus des équipes COP. Mais ça dépend toujours de quelle course, quelle situation qu'on est avec, avec les commanditaires. Mais je peux te dire qu'à 95%, la 92 et la 36, qu'est-ce qui est l'auto à Josh et Alex Labbé, ils vont avoir full, tous les pneus neufs qu'on a le droit d'avoir en règlement. Ah ben c'est une excellente nouvelle. Et pensez-vous que grâce à... Parce que la BG McLeod, du coup, a annoncé, elle m'a dit qu'effectivement, ils allaient en Xfinity Series miser sur des pneus neufs à chaque début de course. Est-ce que tu penses que cette évolution de la BG McLeod va venir vous concurrencer directement sur la piste grâce à ça? Probablement. Et qu'est-ce qui est important? Des pneus neufs, tu dis des pneus neufs à début de course. C'est sûr qu'on va avoir des pneus neufs à début de course, mais qu'est-ce qui est important, c'est d'en faire des pneus neufs, tous les pneus neufs qu'on peut avoir pour toute la course. Effectivement aussi, oui. C'est vrai que c'est un détail que je n'avais pas avancé. Et après, il y a la force moteur, effectivement, où là, si vous avez des moteurs Richard Childress Racing, ça peut largement jouer en votre avantage, du coup. C'est sûr qu'on... Si tu regardes nos résultats en Xfinity, l'équipe DGM, ouais, à chaque année, on améliore et on travaille fort. Et puis, ça n'a pas changé cette année. On travaille super fort pour améliorer nos performances. Puis, je peux te dire qu'on envisage réellement, là, on travaille à 100%. Qu'est-ce qu'on a toujours travaillé, mais je peux te dire que cette année, ça va être notre meilleure saison à date et je ne vois pas pourquoi qu'on pourra pas être, on ne pourra pas gagner, être capable d'avoir une victoire en Xfinity avec franchement, ça serait fort et aussi être capable d'avoir les deux autos dans le chase. Quand le chase commence, j'espère bien que les deux voitures vont être dans le top 12. On est venu proche l'année passée. Eh ben franchement, ce sera extraordinaire. On va suivre ça avec beaucoup d'attention, nous en France. Et on va suivre beaucoup Alex Labbé surtout. Josh Williams simplement, parce que Josh Williams, il est anglophone essentiellement. Mais on leur souhaite le meilleur. Effectivement, de ce que tu nous dis, avec l'histoire des pneus, les locations à venir, les moteurs, Richard Childress Racing, les partenariats en cours. Franchement, ça a l'air d'être une grosse saison qui s'annonce pour la deuxième Racing, et c'est une excellente nouvelle. Est-ce que vous allez avoir, comme demande Bobby, les pit crew de 2021 qui font de la Joe Gibbs encore? On va avoir des pit crew qui sont fournis par Excalibur Racing pour toutes les équipes pour toute la saison. D'accord. OK. On va faire un peu... Il y avait aussi un truc exclusif que tu voulais nous montrer. C'était ta propre voiture qui va courir au Daytona 300. Il y a Castelnau qui dit au Québec, on triperait de revoir Mario. Vous allez le revoir, les amis. Hein. De toute façon, il sera là au Daytona. Hein. Et il va nous montrer sa voiture. Je vais faire une petite tournée de la shop. Je vais essayer de... J'aimerais ça réellement virer mon écran de bord. Tu vas me donner une seconde et je vais regarder voir pour... Bien sûr, virer mon sans problème. De bord, je vais faire une petite tournée de la shop. Vite fait, ça ne sera pas long. OK, on va regarder ça. Et puis s'il faut, je ferai des ajustements. Rassure-toi, il n'y a pas de souci. Terry, how can I flip the screen to show... The cars. I mean, we're live. Hi. Think refresh button. Yeah. What's going on? It's cool at the DGM Racing. It's cool to work at the DGM Racing. Don't know how you. Parce que là, j'étais en tout petit. Si je fais ça, ouais, j'étais en tout petit. Right, en tout petit, attends. Bouge pas. Can't flip the screen. Parce que j'étais en tout petit, je sais pas pourquoi, ça va être ton téléphone qui fait des trucs bizarres. Alors, hop, je vais essayer d'augmenter. Je suis désolé, les amis, pour cette réalisation catastrophique. Tac, moi je vais mettre deux secondes. Hop,
On improvise. Hop. Voilà. Je vais vous mettre un peu comme ça. Je vais essayer d'augmenter la fenêtre. Mais je crois pas. Ok, donc là on est sur le cockpit de la voiture. Ok. Le moteur. ECR. Ok, on voit très bien, on a vu la marque ECR, donc tu seras équipé, Richard Childress Racing, au niveau du moteur, c'est confirmé. La voiture d'Alex Labbé, montre, ouais, si tu peux Mario, reculer juste un peu pour qu'on voit bien la voiture en entier. Alors ça c'est le moteur. Simulateur. Je me mets en petit sur le côté à droite. Les amis, je suis en tout petit. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, la simulation, effectivement. Les simulateurs. Excellent, excellent. Tu m'entends, Mario ? Je m'entends. Ouais, je t'entends. Alors, on a vu. Une auto Alex sur la chassis Dino. Ok. Est-ce que tu peux si tu le veux bien, est-ce que tu peux repasser sur l'auto d'Alex Labbé brièvement ? Si ça ne t'ennuie pas. En essayant de la voir en gros en plan large. Donc ça, c'est sa voiture Can-Am qu'il aura à Daytona, c'est bien ça. Hein, ça va être la voiture qui va aller à la première course avec Can-Am, ça va être à Phoenix. D'accord. À Phoenix, ok. La voiture d'Alex pour Daytona, je vais te la montrer juste ici. Ça travaille, hein, ça travaille fort. Elle est belle, hein. Elle est très très belle. Merci Mario hein, pour ces images. Excellent, excellent. La voiture est magnifique hein, avec ce sponsor Prolong Competition. Et donc c'est un moteur. Est-ce que tu peux nous montrer le moteur si tu as le droit ? T'es le patron, hein, donc tu me diras. Ouais, c'est un moteur ECR Engine. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je vais te dire, ça fait énormément plaisir de voir un moteur ECR dans une deuxième racing. Hein. C'est extraordinaire. C'est vraiment bien quand même qu'on puisse voir que vous avez des moyens en plus. Enfin, je te remets là. Tac, je vais essayer de refaire un truc propre. Je m'excuse, chers auditeurs. Est-ce que tu peux repasser ta caméra à la verticale ? Si tu es arrivé. Je ne sais pas, ton téléphone, il fait des trucs vraiment... c'est un peu spécial. Alors, attends. On s'amuse. Mais en tout cas, c'est d'excellentes nouvelles. Franchement, on va suivre ça avec énormément d'attention. Voilà, normalement, là, si j'ai bien réglé, c'est nickel. Super. Les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On ne pourra pas aller voir Daytona. Oui, bah oui, on ne pourra pas aller voir Mario à Daytona. C'est assez compliqué. Mais en tout cas, c'est une excellente nouvelle. Vous êtes tous équipés avec du matos très lourd en espérant que vous ne soyez pas impliqués dans des crashs. Ça serait vraiment dommage de... Ça coûte cher. Tu me reçois, Mario ? Ouais, tu me reçois, c'est bon. Ça coûte cher à l'équipe d'engager comme ça des moteurs Richard Childress Racing ? Ou ça va vraiment devenir la normalité à présent ? Oui, on travaille fort pour être capable de sécurer les commanditaires nécessaires pour avoir cette sorte d'engin à toutes les courses, mais ça coûte très, très cher, oui. Et donc, le châssis, c'est vous-même qui le faites ou vous l'achetez à une équipe? Non, c'est des châssis. Je te dirais que j'ai 8 voitures que c'est des châssis Hendrick. Il y a 2 voitures que c'est des châssis Richard, 3 voitures que c'est des châssis Richard Childress. On a quelques autres différentes brands alentour, mais nos autos primaires, ça va être pas mal toutes des autos Hendrick. D'accord. Il y a Bobby qui nous dit 30 000 $ par course, c'est bien ça le prix d'une location Richard Childress Racing? 33 500. Et c'est une location. Donc, c'est-à-dire que vous rendez le moteur. Une course, oui. C'est fou.
Donc vous devez calculer et tout. Oh là là, ça doit chiffrer d'une force énorme. C'est hors de prix, quoi. Et Richard Tidross, eux, il... enfin, ouais, c'est fou. Bah, Gilles, oui, Gilles, il y a Wolfie 748 qui vient nous rejoindre dans les spectateurs, qui est un ancien Gilles, et qui, oui, tu arrives en retard, et tu as raté la voiture d'Alex Labbé, tu as raté la voiture de Mario Gosselin, qui nous a montré en direct, et je te peux t'annoncer que les moteurs sont ECR, donc c'est les moteurs Richard Childress Racing, et donc ils vont être équipés très souvent en matériaux ECR et aussi en pneus neufs pour tout le début de la course, mais aussi en pneus neufs pendant la course. Donc ça promet d'être quelque chose d'extraordinaire. On a perdu Mario. Est-ce qu'il va revenir, Mario? Petit souci technique. J'ai perdu Mario. Et voilà. Comme quoi, ça arrive. Je vous demande juste un instant. Petite pause. De toute façon, on va arriver à la fin de cette interview. Petite pause et je reviens vers vous tout de suite. Ne quittez pas sur tous les amis. Et voilà les amis, on est de retour, on avait perdu Mario quelques instants. Pour conclure cette émission, alors je regarde un peu. Alors, quatrième Roval. Alors oui, il y a Bobby qui demande, quatrième au Roval, quand vous avez fait votre meilleure performance avec Alex Labbé, ça paye combien à DGM quand vous finissez dans le top 5 comme ça? Quatrième à Charlotte, je pense que ça l'a payé comme... je regarde, mais... C'était pas énorme. Charlotte, c'est pas une course qui est renommée pour payer beaucoup d'argent. Je pense que ça a peut-être payé comme 33 000 $ pour quatrième. D'accord. C'est beaucoup d'argent pour l'équipe. Ça permet de payer quoi, en fait, au final? Ben regarde, avec un moteur D, ça paye le moteur. C'est ça, ça paye juste un moteur. Alors, Gilles, qui nous dit? Tac. Bon, les amis, moi j'arrive à la fin de mon questionnaire. Allez, direct, pas facile. Ah oui, Gilles. Hein. Quand tu te connectes avec des gens qui sont aux États-Unis, c'est pas toujours évident. Ok, bah, les amis, ça va être commencé avec la fin de cette interview. On va finir ça un petit peu en musique tranquillement. Je rappelle pour la semaine prochaine. Donc, ce sera une émission spéciale Daytona 500. Où on va, pour ceux qui ont raté, donc c'est le premier podcast de l'année, on va revenir sur la Cup Ultimate et la Truck Series avant la course. Si vous voulez trop point avant de commencer la saison et passer un fantastique moment à parler NASCAR, c'est avec vous qu'il faut être le jeudi 11 février 21h30. Encore un énorme merci Mario d'avoir été avec nous, d'avoir pu échanger quelques anecdotes, très sympa, et de nous avoir montré tous ces beaux modèles de NASCAR qui vont être sur la piste au Daytona 300 très prochainement. C'est moi qui vous remercie. Bah, au plaisir de te revoir. Je souhaite le meilleur. Tu passeras le bonjour à toute ton équipe de la part des Français. Et à Jean-Philippe. On lui souhaite le meilleur. On va suivre ses performances, le Luce Merlin. On va vous suivre, Alex, toi, à Daytona et toute la saison en Ultimate. Et surtout, comme tu l'as dit, vous visez une victoire. Entendez bien, chers spectateurs, la DGM Racing m'a mis les moyens pour viser au moins une victoire cette année. Donc on espère que vous allez y arriver, les amis. Et en tout cas, encore merci Mario. Et les amis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye.